Voici de retour pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet très délicat, à savoir l'affaire de Selim Fourniret, le fils de Michel Fourniret, qui aurait été interpellé pour une tentative de viol sur une mineure de 16 ans. Alors je reviens vers vous pour ce sujet, car j'avais vu une vidéo il y a quelque temps d'une interview de Selim Fourniret où il dénonçait énormément de choses, à savoir des complices potentiels de son père qui seraient liés à la franc-maçonnerie, à des pratiques très douteuses. Il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je suis très étonnée parce que c'est une personne qui s'était présentée médiatiquement et qui avait beaucoup pris la parole à l'encontre de, notamment, Monique Olivier. Et puis qui avait aussi parlé au moment du décès de son père, que ce soit sur les plateaux de TPMP, toujours à visage masqué. Il a même changé d'identité pour ne pas être affilié à Michel. Et pourtant, malheureusement, celui-ci donc est accusé aujourd'hui de faits qui sont très graves. Donc j'aurais voulu avoir quelques informations par rapport à ce qui est reproché à Selim. En effet, savoir déjà distinguer ce qui pourrait peut-être être un crime, ou en tout cas une tentative de crime odieuse sur cette jeune femme, ou peut-être aussi une machination. Parce que quand on dénonce des affaires et quand on dénonce certaines personnes puissantes dans ces affaires au niveau de la justice, ça peut arriver également dans cette interview que cette fois-ci je vais bien penser à mettre en description de ma chaîne. Vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment au niveau des magistrats qui auraient pu être au courant. Et le lien est fait entre les enfants de Michel Fourniret et ceux qu'il aurait pu kidnapper, avec les enfants Badawi. Donc c'est très intéressant puisqu'on est sur deux réseaux différents et pourtant qui se recoupent, comme on a pu le dire pour Michel Fourniret et pourquoi pas le Belge Marc Dutroux. Allez, je voudrais savoir ce qu'il en est sur le caractère et sur qui est Selim Fourniret. Donc, qui est bien l'enfant de Monique et de Michel Fourniret. Donc, lui, niveau antécédent, malheureusement, dans sa famille, on est sur une famille très spéciale, comme vous le savez tous. Donc, je vais essayer de rester très neutre par rapport aux origines de cette famille dans la pyramide haut placée. Sachez quand même qu'on nous a parlé du trésor du gang des postiches pour acheter le château. Malheureusement, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que Michel Fourniret a fait preuve d'intelligence et a pu voler ce fameux trésor. Il se pourrait aussi qu'il ait eu des rentrées d'argent tout au long de sa vie provenant d'autres choses. Et là, les enquêtes ont été vraiment bâclées. On n'en a pas su plus. Donc, c'est vrai que c'est très bizarre. On pourrait penser qu'il y a une certaine volonté de cacher les choses à un niveau un peu plus élevé. Alors voilà ce qu'on peut me dire déjà dans un
premier temps concernant Selim. Donc on voit que c'est quelqu'un dans ce jeu-là et qui fait preuve d'un grand manque de confiance en lui, qui a été conditionné effectivement par le père. Donc sur la carte de la nudité, la carte de la guitare, du joueur de guitare, on met à nu, si vous voulez, peut-être son côté beau parleur. Peut-être un côté beau parleur, alors là c'est un côté beau parleur qu'il aurait pu hériter de sa famille. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est quand même souvent montré plutôt discret et qui s'exprime plutôt bien. Hein. Donc moi je n'ai pas de parti pris ou d'avis personnel là-dessus. Je n'aurais juste pas aimé évidemment être l'enfant de Michel Fourmiret et de Monique Olivier, ça, comme beaucoup d'entre nous, évidemment. Alors, pour cacher, j'ai l'appel qui ressort. Donc, bon. C'est vrai qu'il a vécu quand même une partie de son enfance avec cette famille, mais heureusement, il est parti en pension aussi. Donc, ça a pu le sauver. Donc, il était. Donc, effectivement, là, on nous annonce quelqu'un qui était en début, en passe de devenir quelqu'un qui allait procéder à des sacrifices. On nous montre un autel, là. Hein. Donc, c'était le début pour lui, peut-être d'un craquage, peut-être d'un instinct qui se réveillait. Pour lui, sur la carte de merveilleux, la carte de la violence, la carte de la contrainte ressort. Donc, on nous apprend ici que cette personne prenait la parole volontiers, parlait volontiers, mais qu'au fond de lui, il y avait vraiment cette tendance qui était cachée. Il avait ou il a commencé à faire des sacrifices, ou en tout cas à envisager un autel avec des sacrifices, reproduction en tout cas probablement de certaines choses qu'il a pu voir pendant son enfance. Qu'est-ce qui est laid? C'est l'enfermement. Alors j'espère en tout cas que nous n'apprendrons pas que celui-ci a participé à des séquestrations. Parce que pour lui, ce qui est merveilleux, on le rappelle, c'est la violence. Sur la carte d'attendre, j'ai la maman avec son enfant. Donc là, elle semble lui donner des conseils, le tenir, lui parler de quelque chose de sérieux. Donc est-ce que finalement, je sais qu'il est retourné voir sa mère en prison et qu'il semblait la détester, il ne l'appelle pas maman, il l'appelle par son prénom, pour lui c'est une inconnue, mais malgré tout on sait qu'on est conditionné aussi par ce qu'on est dans notre enfance, hein, par ce qu'on a subi, par ce qu'on a aussi appris dans notre éducation. Donc est-ce qu'il attendait une reconnaissance de sa mère peut-être malgré tout? Est-ce qu'il attendait des conseils? Donc sur la carte aller, j'ai l'entrejambe féminin qui ressort, je le retourne. Donc là effectivement, on est vraiment sur le cas, hein. On a attendu avant de passer peut-être à l'acte, on a attendu pour ne pas ressembler à la mère, mais malgré tout, il a été attiré par cette conception de la vie, c'est-à-dire de prendre, enfin je sais pas si on peut parler comme ça. Et donc là, le père, bon ben voilà, hein, on peut situer un homme qui a de l'influence visiblement sur l'enfant. Donc on voit ici que la famille a eu un rôle sur ce qui s'est passé dans cette attaque soudaine qu'il aurait pu commettre sur cette adolescente. Ce que je vous propose au sujet de la personnalité de Selim Fourniret, c'est de faire un tirage sans mots. Je vais uniquement utiliser les représentations qui vont venir. Alors j'ai une question quand même. Pour les gens qui ne croient absolument pas à ce que je fais, et tant mieux de regarder quand même, je vous en remercie. J'ai une question qui m'interroge parce que ça me paraît toujours bizarre. Si vous ne croyez pas à tout ça et si vous n'aimez pas du tout ces pratiques, je peux l'entendre, mais comment ça se fait que vous me disiez parfois en commentaire que vous regardez toutes les vidéos, alors pas de ma chaîne, hein, de toutes les chaînes de voyantes? J'ai un petit problème de compréhension à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à me dire, hein, parce que j'accepte volontiers les convictions et je respecte tout le monde dans tout ce qu'il a envie de pratiquer, croire, voilà, chacun son truc et je ne forcerai jamais personne, et comme je le dis, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour prétendre avoir des pouvoirs magiques, ou je suis pas mieux que vous, moi. Hein. Du coup, chacun son domaine. Il y en a qui vont être forts en bricolage, il y en a qui vont être forts en sport. Moi, je déteste ça, par exemple. Et puis, il y en a qui vont avoir des dons comme ceci. Ça enlève rien.
Si vous n'aimez pas du tout ces vidéos, je le comprends encore une fois, mais expliquez-moi comment ça se fait que vous perdez votre temps du coup à les regarder et à les commenter. Moi, j'accepte, hein, parce que voilà, mais c'est vrai que je trouve ça passionnant, parce que j'ai fait des études de psychologie et j'aurais voulu avoir vraiment une réponse par rapport à ça, si c'est possible. Allez, je me reconcentre à nouveau. Pour Selim Fourniret, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur sa personnalité depuis son enfance? Voilà, ce que je vais essayer de déterminer là, c'est face à quel individu nous sommes vraiment. Est-ce que c'est l'individu raisonnable que nous avons entendu, interviewé par Carl Zéro, interviewé par Cyril Hanouna, interviewé par plein de gens? Ou est-ce que c'est vraiment le monstre bis repetita que son père pouvait être? Donc là, j'utilise les cartes de Copé. Hop, hop. Alors, ce qu'on nous dit ici. Donc, il y a eu quelque chose de prémédité. On voit quelqu'un qui suit une personne et qui tient quelque chose en son dos. Donc, il a repéré, hein, probablement, il a repéré sa victime. Ici, c'est quelqu'un qui se fait aveugler. Donc, il a été aveuglé par le soleil, mais aussi par une personne. Par une personne qui lui a plu. Ici, nous avons l'échiquier avec, évidemment, les stratégies qui ont été mises en place. Une personne qui se trouve, en tout cas, qui semble se trouver influente au milieu d'un cercle et qui prend la parole. Donc, on pourrait ici imaginer potentiellement une messe étrange avec des coutumes bizarres et qui serait dédiée au mal. Ici, on a des gens qui se réjouissent dans un cimetière. Donc, c'est vrai qu'on continue sur le même domaine, malheureusement. Et je pense clairement que Fourniret n'était pas seul dans son entreprise. On est nombreux à penser comme ça. Je crains qu'il n'ait été aidé par une pyramide très puissante dans laquelle il était haut placé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais appris que dans l'affaire de Marion Wagon, dans sa disparition, l'oncle de Marion, ou quelqu'un de très proche de sa famille, connaissait très bien Michel Fourniret, et bien avant la disparition de Marion. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question aussi, comment ça se fait qu'en connaissant cette personne. Enfin voilà, moi je ne veux pas faire de théorie douteuse, le papa de Marion n'y est absolument pour rien, évidemment. Par contre, c'est vrai que dans l'entourage familial, il semblerait qu'il y avait des connexions bizarres avec des personnes qui auraient tendance à être dans cette même pyramide et à faire des choses très particulières. Allez, donc ici on nous apprend, voilà, donc là c'est une image de la Gestapo, hein. On a déjà vu cette photo à plusieurs reprises d'une personne qui malheureusement lève les mains au ciel comme signe de faiblesse et d'impuissance et de soumission. C'était une personne qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été embarquée par les nazis. Donc, ce qu'on peut nous parler ici, c'est d'une certaine violence qui a été exercée sur lui pendant l'enfance, une espèce de prise d'otage finalement, ou quelque chose que lui-même exercerait sur des enfants. Je vais continuer à battre le jeu. Céline Fourniret. Alors, Céline Fourniret, des cartes s'échappent. Ici, on a la corde. Donc, on nous apprend qu'il est pieds et poings liés peut-être par rapport à ses origines, en fait. Il se sent peut-être dans l'obligation psychologique. Alors, ce n'est pas de l'ordre du conscient, hein, mais de reproduire. Sinon, il se pourrait qu'il ait également attaché. Il se pourrait qu'il ait déjà commis ce genre de choses ou participé plus qu'il n'a bien voulu le dire, ou en tout cas peut-être même s'en rappeler. On peut être dans l'ordre du déni complet, hein, quand on sait qu'il a été instrumentalisé par ses parents in utero afin d'attirer des jeunes filles et de les mettre en confiance. Bon. Ici, nous avons une personne qui réfléchit, qui écrit, qui prend des notes. Alors, est-ce qu'on aurait pu nous dire ici que Selim était quelqu'un qui avait commencé à faire un travail d'enquête, un travail de recherche? Parce que c'est vrai qu'en entendant cette interview, je me suis vraiment demandé si on n'allait pas s'il prenait pas des risques et si on n'allait pas le faire taire. Et c'était une interview qui date d'il y a quelque temps déjà, hein, bien avant ces accusations. Alors je ne dis pas que la tentative de VIOL n'a pas eu lieu. Bien au contraire, cette jeune fille est à prendre au sérieux.
Ici, nous avons toujours cette symbolique de l'arc-en-ciel qui pourrait nous indiquer une personnalité qui tendrait à aimer plus peut-être des personnes du même sexe que lui, du même genre que lui. On pourrait aussi nous dire que c'est quelqu'un qui avait une vision un peu idéaliste de son monde et malgré tout, on voit le ciel très sombre, quelque chose qui allait dégénérer par la suite. Je recouvrirai bien sûr hein, pour avoir des précisions complémentaires. Donc on voit que Monsieur Selim Fourniret a été façonné par une main. Donc là, on a vraiment un corps qui est dans de la glaise. Il a été façonné par certainement son système éducatif. Alors, pour compléter, je vais recouvrir ces cartes-là avec d'autres symboliques, mais je vais me contenter de prendre les cartes du résilient. Bien sûr, comme certains me le disent, alors évidemment, moi j'ai pas du tout, je ne suis pas enquêtrice pour la police. J'ai reçu le dossier pour devenir enquêtrice pour la RPD, qui est l'association de recherche pour les familles des disparus. Donc, si vous connaissez la chaîne de Marine B, elle en parle puisqu'elle-même est enquêtrice pour la RPD. Donc, c'est du bénévolat, hein, bien entendu, il n'y a pas de rémunération. Et il y a déjà pas mal d'enquêteurs sur le terrain en France, 800 personnes. Donc là, c'est plus pour traiter des cold cases ou des affaires sur lesquelles il y a besoin de renfort pour les familles. Mais sinon, à côté de ça, moi, je détiens absolument rien du tout. Et je n'ai pas la prétention, encore une fois, de dire que tout ce que je vais vous sortir sera vrai. J'espère que parfois je me trompe, hein. Très franchement, je préférerais parce que bon, tout n'est pas beau, hein, dans ce que je vois. Mais mes ressentis, par contre, je ne peux pas les nier. Voilà, donc ici, Selim était, à son âge adulte, représenté comme quelqu'un qui avait peur. Peur, pourtant, il n'y a rien ici. On pourrait penser qu'il a peur de son ombre. Mais comme elle vient recouvrir cette carte-là, on nous apprend aussi qu'il était quand même méfiant par rapport à quelqu'un, qu'il connaissait bien, potentiellement son père. Alors, on va recouvrir avec Résilio. Donc, il y a eu un aveuglement ici avec le soleil et on nous voit représenter un monde merveilleux, illusoire, plein de papillons. Quelque chose qui semble sortir de l'imaginaire de la personne qui est en train de dessiner sur la table et ses dessins prennent vie. Donc, on peut confirmer ici qu'il y avait un monde intérieur très important chez Selim. C'est quelqu'un qui vit dans son intériorité. Sur la carte du stratège, du jeu d'échecs, pardon, vient ici la barrière, le chemin interdit, le bois. Donc on peut, connaissant cette histoire, imaginer qu'ici, Selim avait notion de ce qu'avait vécu son père et de ce qu'avait fait vivre son père. Pour lui, c'était presque peut-être, pour Michel, hein, Fourniret, un jeu d'échecs et un jeu de puissance avec la police. Et il s'en est bien sorti. On sait qu'il n'a pas du tout annoncé tout ce qu'il avait fait comme crime. Il n'a pas voulu rendre les corps des personnes qu'il aurait tuées. Et il a toujours fonctionné avec les enquêteurs en se disant chacun son travail, vous avez qu'à être plus compétent. On nous montre aussi ici qu'il y aurait de la répétition et que par rapport à ce qui s'est passé, Selim aurait gardé beaucoup de choses secrètes. Il sait encore beaucoup de choses qu'il n'a pas dévoilées. Il ne les dévoile pas par rapport à un groupe. Par rapport à ce groupe, en fait, je pense que c'est pas lui qu'on voit tenir parole au milieu, hein, mais bien un espèce de gourou, quelqu'un qui aurait un impact fort sur ces personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, il a été peut-être rallié à cette cause, bien qu'il ait eu envie de refaire sa vie ailleurs en reparlant de l'affaire Fourniret. Il n'a pas voulu, si vous voulez, adhérer à ce système, mais en faisant du bruit autour, il s'est retrouvé acculé. D'ailleurs, on le voit ici. Il est dans une situation très handicapante, hein. Il ne peut pas monter, il est bloqué, hein. On parle de quelqu'un là qui, je pense, aura bien sûr une peine s'il est reconnu coupable, mais quelqu'un surtout qui est bloqué par rapport à ses contradictions. Là, on avait une troupe d'enfants qui font la ronde dans un cimetière. Donc, on pourrait dire des gens qui. Donc là, c'est des enfants, hein. C'est très important puisque dans ce tirage, on sait que les enfants avaient un rôle primordial.
Et donc, on peut voir qu'il y a eu vraiment quelque chose de récurrent, hein. Ça n'a pas été qu'une fois. Il y a eu plusieurs décès, il y a eu plusieurs victimes. On peut nous dire que ça a réjoui des personnes, que ça réjouit un groupe de personnes, que ces personnes ont fait une ronde, donc une ronde peut-être sacrificielle, de la magie, des incantations. En tout cas, ce qui vient recouvrir, c'est la carte de la compétition. Donc on voit ici deux jockeys qui sont sur le dos de leurs chevaux et qui font la course. Donc par tout ça, nous pouvons imaginer qu'il y avait quand même une recherche de puissance, de force représentée par le cheval. Donc dans ces sacrifices-là, il y avait, ou en tout cas dans ces pratiques-là, il y avait vraiment une recherche de puissance, de force et de compétitivité. Ce qu'on nous a présenté ici sur cet enfant, alors d'abord c'est un enfant qui est entouré de beaucoup d'adultes. Donc c'est vrai que Selim a grandi avec, je pense, une partie des amis de ses parents. Il s'est senti victime. J'espère pour lui qu'il ne s'est pas fait attaquer par sa famille. A priori, non. En tout cas, on voit ici qu'il y a eu plusieurs adultes, dont le membre principal, Selim, qui est l'objet du tirage aussi, serait complètement bancal aujourd'hui. Donc là, il y a eu un attachement, mais là, nous avons les tâches administratives qui peuvent faire penser à un énorme dossier d'instruction. Je vais reprendre une carte pour voir si on nous parle de Selim ou de son père, afin de pouvoir avoir des informations. Alors là, ça m'en donne quelques-unes, mais pas vraiment sur cette affaire. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est les rêves qui s'envolent. On a des oreillers qui sont pris en charge par une espèce de filet, de corde. Donc, c'est la fin du confort, hein. C'est la fin de quelque chose de confortable pour lui. Sur la carte, des recherches, des écrits, des confessions peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme précision concernant Selim? Voilà, j'ai la moitié du tac qui s'est cassé la figure. Ses écrits, alors, viennent de rumeurs, viennent de choses qui lui ont été confiées. On lui a communiqué un secret, on a été discret. Donc, il y a des écrits peut-être par rapport à des choses cachées. Ça, c'est pas mal. On va essayer de recouvrir pour en apprendre plus. Alors là, j'en ai encore trop qui sont tombés. Je vous rappelle qu'il est toujours, je crois, présumé innocent, hein, tant qu'il n'a pas été vu et jugé par une instance judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet arc-en-ciel et cette situation? En fait, on nous montre quelqu'un qui est complètement perdu et qui n'y voit plus clair. Quelqu'un qui semble avancer à tâtons dans une nature hostile. Donc quelqu'un qui est troublé par rapport peut-être à sa situation personnelle, à ses choix de vie personnels, à ses orientations personnelles. Il pourrait peut-être mal vivre ce qui est représenté par l'arc-en-ciel. On va en savoir plus peut-être. Il se pourrait, vous savez, que c'est en lien avec la puissance masculine, tout ça aussi, hein. On a entendu dire que Michel Fourniret n'arrivait pas à avoir sa virilité. Et est-ce qu'ici, on voudrait nous parler de ça? C'est quelqu'un qui a été pointé du doigt, quelqu'un qui a été traité comme un moins que rien, un plus petit, et qui est accusé. Donc là, on recouvre vraiment la carte de quelqu'un qui l'a façonné, mais il l'a façonné à la dure. Là, j'ai la carte de l'argent qui arrive, donc on voit vraiment une notion de business par rapport à tout ça. La carte de l'emprisonnement du monde. Donc on sait que ces organisations, non seulement font du mal aux enfants, mais emprisonnent complètement la liberté des enfants et dénaturent les relations qu'un adulte bienveillant et normalement constitué devrait entretenir avec ses petits êtres. Donc voilà, je vais pas aller plus loin sur cette analyse parce que je pense que vous comprenez absolument tous et toute l'importance de surveiller les enfants aujourd'hui, plus que jamais. Alors ça a toujours été le cas, mais dans les sociétés avant, dans les générations d'avant, il y avait tellement ce respect de la politique, cette idéalisation des hommes politiques comme étant impossiblement des pervers qui aiment les enfants, voilà. Pourtant, je vous invite tous à regarder les discours de Cohn-Bendit qui dit que c'est super agréable de se faire déshabiller par une petite fille de 5 ans. Mads Neff qui a écrit des livres affreux, des pamphlets, alors je ne demande pas des pamphlets, mais on va dire quelque chose qui mettait en exergue et qui
j'en perds mes mots, qui flattait la pédophilie, hein. Donc Maznef et tant d'autres, hein, parce que là j'ai découvert sur Twitter que certains apprennent ce qui a pu se passer, ce qui aurait pu se passer entre un ministre de la Culture, et un pays du Maghreb réputé pour vendre ses enfants. Oui, ça a été dénoncé, dit, reconnu. Des enfants sont malheureusement décédés dans des circonstances dégoûtantes. On parle aussi du neveu d'un ancien président de la République qui connaît très bien ces pratiques. Je ne peux pas citer de nom ici parce qu'évidemment, ces personnes ne seront jamais jugées parce que c'est un phénomène de puissant de prendre la vie de vos enfants et d'en faire ce qu'ils ont envie. Et avec des pratiques vraiment mais dégoûtantes. On est loin de découvrir tout ça, il faut juste se renseigner sur les bons réseaux. Donc ce que je vous propose pour terminer le tirage concernant Selim Fourniret, c'est de partir sur une analyse de la Sibylle des Salons. Cette Sibylle que j'aime tant parce que nous avons quand même des messages qui me parlent en tout cas à moi. Je vais essayer. Alors quel jeu je vais faire? Non plus. Oui, je crois que je vais faire un jeu tout simple en réalité. Hein, je vais rester sur Selim, passé, présent et futur. Un jeu en trois cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Selim Fourniret? La femme méchante à l'envers, le militaire à l'envers, la fidélité à l'endroit. Alors, ce tirage nous indique ici que par le passé, pas Michel Fourniret, pardon, Selim était dans un environnement donc d'autorité, de rigidité. C'est quelqu'un qui était plutôt inflexible et qui sait se montrer impatient. Aujourd'hui, dans sa situation présente, on nous présente le militaire. Donc oui, on sait qu'il a été incarcéré en attendant d'en savoir plus sur cette affaire. Et le militaire renversé qui indique ce que je viens de vous dire, l'impatience et tout ce qui va avec. Nous avons aussi ici une carte qui nous apprend que c'est une personne qui sait se montrer ambitieuse et qui est aussi assez douée en affaires. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait très bien s'en sortir. Je ne sais pas quel est son travail, mais en tout cas, il peut être doué en affaires. Nous allons apprendre pour le futur, ici avec la carte de la fidélité, qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la loyauté envers une institution. Je vais faire un tirage à 5 cartes qui vont représenter les forces, les faiblesses, et puis la conclusion et les conseils. Force. De Selim. Faiblesse de Selim. Conclusion. Conseil. Quatre cartes. Si besoin, j'en placerai une au centre. Donc là, nous avons le billet doux qui arrive. Ce billet doux qui symbolise, comme vous pouvez le voir, pardon, la dame de cœur. Donc nous avons ici une information qui vient nous apporter sur cette position de carte la signification de la force qui peut aider, animer et compléter le destin de Selim Fourniret. Ce qu'on veut nous dire ici, puisqu'on nous parle de cette dame qui a tendance à être douce normalement, et qui a l'air d'être placée de manière à écrire, c'est que dans son côté fort, il y a une certaine. C'est une personne charmante, visiblement, Selim Fourniret. C'est quelqu'un qui est très doux et qui tranche avec l'univers dans lequel il aurait pu grandir et qui aurait pu être très néfaste. Donc, ça, c'est sa force. Ici, donc là, je la retourne, c'est beaucoup d'argent. Donc, la faiblesse,
Donc là, sur cette carte, nous arrivons en carte retournée sur un as de trèfle retourné qui veut nous indiquer beaucoup d'informations concernant, comment dire, un succès, quelque chose qui aurait dû arriver. Voilà, quelque chose, un petit succès qui aurait dû se produire, mais qui va malheureusement être un peu atténué. Donc, en faiblesse ici, ou qu'est-ce qui va venir nuire à la situation de Selim par rapport à la carte précédente, ça serait quand même plutôt lié à un manque de chance, un manque de succès, un manque d'expertise. Est-ce que je peux retirer une carte? Un manque d'argent, ça me paraît bizarre. Alors, je vais d'abord continuer comme ça et puis après, je verrai. Donc, nous apprenons que la conclusion de ce jeu concernant Selim est représentée par la carte des présents. La carte des présents, c'est plutôt une carte qui devrait être positive, qui, arrivant à l'endroit, indique donc un coup de pouce et un soutien. On peut vouloir nous dire ici qu'il aura un bon avocat, quelque chose qui va pouvoir l'aider dans cette affaire judiciaire. Et donc, nous avons enfin le conseil. Le conseil, c'est la carte de la consultante renversée qui est ressortie. On nous apprend ici qu'il va falloir qu'il arrête de fonctionner avec le stress au quotidien, mais ça, c'est facile à dire vu sa situation. Je recouvre. Et après, nous pourrons. Donc, le flatteur. On voit, donc c'est vraiment quelqu'un qui est agréable, hein. Je pense au quotidien, c'est quelqu'un qui est très sympa. Les caquets qui arrivent en faiblesse, donc on parle beaucoup à son sujet, mais ça déjà avec son nom d'origine, même s'il l'avait changé et qu'il avait déménagé, ça ne m'étonne pas. Et aujourd'hui, vu les circonstances, non plus. On a la réconciliation qui arrive en conclusion et en conseil. En conseil, j'ai cette carte qui s'est retournée spontanément. Et donc, c'est la récréation qui arrive à l'envers. Alors, pour vous apporter plus d'informations, donc ici, le flatteur, c'est le valet de trèfle. Valet de trèfle qui peut représenter une personne qu'on peut considérer comme sincère, quelqu'un qui va être plutôt spontané, qui est un bon ami. En faiblesse pour Selim, nous avons la carte des caquets qui indique ici des commérages, qu'il a eu beaucoup une mauvaise réputation, des gens qui ont parlé sur son compte tout au long de sa vie. En conclusion, on nous apprend ici par la carte de la réconciliation qu'il va y avoir une demande de pardon, une négociation fructueuse. Et quelque chose qui va aller avec la carte précédente que la réconciliation couvre, les présents. Donc on va avoir peut-être je pense, un accord qui va être tiré de tout ça. Et oui, il va y avoir un pardon demandé de la part de Selim. Et enfin, donc le conseil à adopter ici, nous sommes sur la carte de la récréation qui ressort à l'envers. Donc c'est le 4 de pique. Et ce 4 de pique qui arrive retourné indique qu'il y a vraiment des idées brouillées, qu'il y a une surcharge mentale. Donc on pourrait penser effectivement qu'on conseille à Selim de consulter parce que ce qui s'est produit n'est pas normal et il en a bien conscience. Voilà, donc ce sont toutes les informations que je pouvais avoir aujourd'hui sur cette agression supposée du fils de Michel Fourniret sur une mineure de 16 ans. Je vous mets le lien en vidéo de l'interview que celui-ci avait donnée au sujet de l'affaire qui a touché toute la France concernant son père. Et je me tiendrai au courant des informations si un update était à faire pour vous tenir au courant. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien si vous êtes en vacances. Si les vacances ne sont pas encore là et qu'elles arrivent à grands pas, eh ben écoutez, continuez à suivre les vidéos qui vous plaisent sur YouTube, à vous détendre au maximum, profitez du beau temps. Alors attention avec les barbecues vu qu'on nous parle d'incendie, mais en tout cas profitez, profitez. Je vous envoie toute ma lumière, toute mon énergie, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.